Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Almohattine TV pour ce 21e numéro de notre émission. Déjà, effectivement, nous sommes depuis plusieurs mois ensemble et nous souhaitons également vous remercier de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner à chacune de nos émissions. Aujourd'hui, je reçois deux femmes de cœur et d'engagement. Elles sont toutes les deux passionnées d'Afrique. Et nous allons faire connaissance avec elle. Je commence par Magali Lecourtès. Elle est la fondatrice et directrice exécutive de Primordia Consulting, qui est une structure dont elle va nous parler. Bonjour Magali Lecourtès. Bonjour Henri. Je reçois également une femme de cœur et d'engagement, je l'ai dit en introduction, Sibylle Tshishabayo Kazuba. Elle est artiste, entrepreneur culturel, mais également gestionnaire de programmes culturels avec elle nous allons parler culture. Bonjour. Bonjour. Sibylle, merci d'être sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Je l'ai dit donc, vous êtes toutes les deux très actives. C'est de l'occasion pour ceux qui nous suivent, évidemment, de faire connaissance avec vous. Je me tourne vers vous. Je l'ai dit, vous êtes passionné d'Afrique. Vous y avez mené pas mal de projets, hein, notamment dans les investissements. Aujourd'hui, vous avez un nouveau challenge que vous avez décidé de relever. Alors, avant de commencer, dites-nous tout simplement où est-ce que vous trouvez toute cette énergie pour vous déployer comme vous le faites. Eh bien, je ne sais pas. C'est comme ça, je me lève le matin et il y a 24 heures qu'il faut combler. Je pense que je fonctionne surtout au cœur et à partir du moment où quelque chose me plaît, je ne vais pas compter les gouttes de sueur que ma chemise pourra contenir. Un projet, c'est pas forcément une ligne de départ et une arrivée, c'est vraiment le trajet qui est entre les deux qui m'intéresse et toutes les ficelles qu'on peut utiliser et dont il faut user pour mener à bien des projets et qu'il faut surtout bien sélectionner ces projets tout pour à être fait. Heureux pendant tout leur cheminement. Alors justement, parmi les objectifs de Primordia Consulting, hein, la structure dont je viens de vous parler, donc que vous avez créée, si vous deviez d'un mot résumer la philosophie de votre structure, quelle serait-elle? Alors, la philosophie, le brand de Primordia, c'est vraiment la convergence entre vos projets, nous-mêmes et leur succès. On veut, parce que je travaille avec d'autres personnes aussi évidemment, on veut que toute communication, toute entreprise mise en marche soit le résultat d'un point de convergence. D'ailleurs, notre petit slogan, c'est que Primordia, c'est la convergence de vos idées. Alors, je vais peut-être revenir vers vous pour entrer dans le détail, parce que je sais aussi que vous travaillez avec pas mal de groupes de pression, hein, ça ne s'invente pas. Oui. Vous apportez, je dirais, des solutions innovantes. Je me tourne vers vous, Sibylle Tshishabayo Kazuba. Je l'ai dit, hein, vous êtes très impliquée, notamment dans le secteur culturel. Vous êtes très connue, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous a vu notamment prendre, un rôle très actif lors de l'Africa Festival Film de Leuven. Vous êtes également artiste, chanteuse, interprète. Vous avez également enregistré avec d'autres artistes. Vous allez d'ailleurs nous parler peut-être de ce que l'on pourra considérer dans les prochains mois comme un comeback. On ne sait jamais. Mais je voudrais qu'on s'arrête un peu sur votre pays d'origine, le Burundi. Hein. Je rappelle que c'est un pays qui vous tient très à cœur. Et là aussi, il y a des projets dans lesquels vous êtes partie prenante. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Mais au fait, voilà, moi je suis née grande au Burundi, je suis venue ici à l'âge adulte en 2008 pour juste continuer mes études avant de m'installer partiellement parce que je regarde en pied au Burundi. Quand j'ai commencé à chanter, j'étais au lycée et puis après je termine mes secondaires, bon, je débarque dans le milieu artistique et je me rends compte que c'est un chaos total.
Donc, il y avait des options, soit j'abandonne l'artistique ou il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai pris la deuxième option avec des amis. Nous sommes engagés, nous avons commencé à faire bouger les choses. C'était très difficile, mais on était jeunes, on y croyait. Et puis, on s'est dit, comme il n'y a personne et aucune plateforme, une structure professionnelle pour appuyer les artistes, on va le faire, voilà, on va pas attendre que les gouvernements se lèvent, que voilà, on s'est mis ensemble, on a créé des studios, on a commencé petit à petit, on a grandi. Aujourd'hui, on est une plateforme qui soutient, qui fait la promotion des artistes burundais, principalement les musiciens. Donc, on a une maison qui s'appelle Emenia Media, qui a des studios de production, un espace qui appuie à la créativité. Et puis, nous avons des canaux de diffusion d'une radio communautaire très, très importante qui a la première place à Bujumbura et qui fait vraiment la promotion à 100% des artistes burundais. Alors, effectivement, alors à côté de ça, évidemment, il y a coopération, éducation, culture au sein de laquelle vous êtes aussi très active. Hein. Vous diriez qu'à l'heure actuelle, c'est très important de préserver ce lien avec le pays d'origine ? Ben, je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, je me suis retrouvée ici après mes études. J'ai trouvé un boulot directement à la télé de Bruxelles où j'étais attachée de production. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas un peu d'expérience avant de retourner au Burundi. Et puis, je suis tombée amoureuse de Bruxelles et des Bruxellois, je me suis installée. Mais parallèlement, j'ai continué à être active au Burundi, donc à Milan des projets. Et, aujourd'hui, c'est à Bruxelles. Je travaille pour CEC qui est coopération éducation culture. Je suis chef de programme. Et, c'est une structure qui est très, très engagée dans tout ce qui est lutte contre les stéréotypes à l'égard des afro-descendants. C'est la première structure qui a été créée il y a 40 ans qui s'est engagée dans ces voies-là. Et je suis très très contente de faire partie de cette belle équipe. Et parallèlement aussi, il y a le Festival de cinéma africain de Leuven. En fait, il y a un lien, il y a une logique dans tout ce que je fais, dans les choses voilà, dans lesquelles je suis engagée. C'est qu'il y a le côté artistique, il y a le côté de la promotion de la valeur culture artistique et de la coopération. Et surtout aussi de la place qu'on accorde aux jeunes dans le processus de changement et des artistes. Donc, il y a un lien dans tout ce que je fais, il y a un sens. Alors, on aura l'occasion peut-être de revenir dans le détail sur certains projets qui vous tiennent à cœur. Et j'aurai aussi une question d'actualité à vous poser, hein, puisque tout le monde a vu, il y a de cela quelques jours, cette vidéo virale sur le net où on a vu cette altercation dans la gare d'Arscott. Votre point de vue nous sera également utile, car je sais que vous luttez aussi contre les discriminations. Magali Le Courtès, je reviens vers vous. Je l'ai dit tout à l'heure, avec un petit sourire en coin, vous apportez des solutions, je dirais, innovantes par rapport à certaines corporations. Je rappelle que vous avez, avec les pompiers, avec certains groupes d'observation aussi eu à les aider. Alors, très concrètement, en quoi consistent vos interventions lorsque vous êtes sollicité par ces groupes? Alors, quand je suis sollicitée par un groupe ou une ASBL ou un artiste ou n'importe qui, finalement, qui a un projet à mener, la plus-value qu'il entend que j'apporte à son projet, bien évidemment, c'est l'accroissement. L'accroissement, ça passe par de la communication, par du développement et de la viralité, j'ai envie de dire, de l'information, en utilisant l'ensemble des canaux qui, aujourd'hui, sont mis à notre disposition. Et c'est là une grande chance. Aujourd'hui, on peut venir du Burundi, du Gabon, du Congo, de la Pologne et réussir à faire passer une information. Donc, mon activité consiste à prendre votre projet et à le propager dans la bonne cible, dans la bonne direction, avec les bons partenaires. Je ne suis pas la conceptrice du projet, mais je suis souvent celle qui fait qu'il va prendre une certaine direction. D'accord. Et comme je suis assez têtue. D'accord. Ça va souvent dans cette direction. Alors, on va peut-être retourner sur le continent africain. Vous y avez développé pas mal de projets. Est-ce que c'est facile, finalement, d'accompagner un projet en Afrique aujourd'hui? Non. On a déjà... Quels sont les obstacles majeurs? Et je vous laisserai réagir également, Sybille. Alors, le premier obstacle me concernant, ça a été la patience. C'est une qualité qui me manque déjà ici, mais alors en Afrique, ça prend des mesures extrêmes. Il faut savoir s'adapter. J'ai envie de dire que la nécessité de s'adapter aux autres sans porter un jugement sur la façon dont ils vivent, se détacher de ses habitudes et
primordial pour voir l'autre en égalité, en humanité aussi. Ce n'est pas parce qu'on fonctionne différemment que ce que fait l'autre est moindre. Et les années m'ont montré que c'est même le contraire. Bien sûr, bien des points. Il y a des choses qui en Afrique, moi, me subjuguent, que je ne comprends pas, que chez nous, on ne soit plus aussi simple, aussi vrai avec la vie, tout simplement, par exemple. Donc ça touche à des points beaucoup plus sensibles que la stratégie de travail. Ce sont des projets d'investissement, en général, que vous menez à terme. Alors, Sibyl Chisabayo Kazuba, vous accompagnez aussi localement, je pense, à travers vos différentes initiatives, des projets. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut toujours cette patience? Racontez-nous. Moi, dans mon cas, c'est pas un problème de patience, c'est plutôt un problème de compétence, parce qu'il y a une envie, un engouement. Les gens veulent vraiment, surtout les jeunes, veulent changer, avoir un autre niveau de vie. Mais des fois, on est confronté à un manque de compétences, parce qu'il faut pas uniquement vouloir. Mais comment on règle ce problème alors? Mais c'est pour cela que, par rapport à moi, la plupart, presque la quasi totalité des projets que l'on propose au sein de notre organisation, il y a un volet assez important de renforcement des compétences. Parce qu'on ne peut pas maintenant créer des écoles par rapport à tous les domaines d'intervention où on manque de compétences. Mais souvent, les gens, quand ils en veulent, avec maintenant l'Internet, heureusement, ils peuvent apprendre sur le temps et sur le temps. Mais à un moment, ils sont bloqués parce qu'il leur manque un petit truc pour pouvoir accéder à notre niveau. Et nous, on intervient pour la plupart des fois en ces matières-là de renforcement de compétences. Effectivement, alors ce n'est pas évident, on l'aura bien compris. Je reste à nouveau avec vous parce que vous avez interrompu pendant 7 ans votre carrière musicale, on va dire ça comme ça, pour de bonnes raisons, j'imagine. Peut-être que dans les prochains mois, vous nous réservez un retour. Est-ce que l'attente aura été longue selon vous? Est-ce que quand on est artiste dans l'âme, c'est facile de décrocher avant de revenir finalement? Mais dans mon cas, ça s'est fait naturellement. Comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment retrouvée. J'étais chanteuse à la base. Oui. Puis sans le vouloir, sans le chercher, je suis devenue activiste plutôt culturelle parce qu'il y avait des choses à faire. Et ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc je pensais plus à moi parce que quand on prépare un album, on pense un soir. Mais j'avais plus le temps de penser à moi. Vous étiez habitée par une cause. Une cause et je ne voyais pas le temps passer réellement. Donc, mais là, avec le recul. Et puis après, j'ai évolué. Je suis devenue vraiment productrice, je suis diplômée en production et puis je me disais, je suis passée à autre chose, mais à un moment, j'ai senti un manque mais qui grandissait à une allure folle. C'est un retour aux sources en fait, quelque part. Maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place, que je ne suis pas dit tout seul, c'est pour cela que je suis aujourd'hui, parce que j'ai des collaborateurs sur le continent qui font un travail extraordinaire, je me suis dit pourquoi pas, et puis voilà, il y a quelqu'un, un producteur voisin de Londres, qui vient de me proposer un contrat. Je retourne en studio décembre pour Alors, quelle serait la teneur de cet album? Est-ce que vous êtes, j'imagine, attaché à l'écriture? Est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection? Ça peut être des sujets sociétaux, les relations humaines, l'amour en général? Alors, bizarrement, j'ai toujours, je suis considérée comme une chanteuse mélancolique et je chante toujours des problèmes de société. Oh. Mais c'est ça qui fait, et quand je le fais, apparemment, ça passe bien et je pense que je ne vais pas changer, même s'il y a toujours un peu d'amour dedans. Et j'adore, avec le temps, j'ai évolué aussi. J'ai essayé, je me suis essayé à plusieurs styles de musique. Et puis à un moment, je me plais à faire de la musique traditionnelle burundaise, mais modernisée, retravaillée. Je pense que je vais revenir sur ces bases-là. Ah ben, on sera évidemment attentif à ce retour. Je me tourne vers vous, Magali Lecourtès. Parlez-nous de vos projets à venir, si ce n'est pas un secret, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des secteurs, des domaines d'activité pour lesquels vous souhaiteriez accompagner des porteurs de projets? Oui, absolument. J'ai des projets, mais évidemment, à Bruxelles, avec la promotion d'une artiste qui est exceptionnelle, qui est Roselyne Doré, que vous avez déjà interviewée aussi. Oui, on a eu l'occasion de l'accueillir, effectivement. Une femme exceptionnelle, avec un talent multi-axe, difficile à contourner, j'ai envie de dire. Et donc c'est très agréable de pouvoir mettre ce talent en avant et d'en faire la promotion. Je m'occupe aussi donc de la promotion d'un vin de Bordeaux
Le Château Lamotte Augier, qui est vraiment un petit vin fait par une famille avec de plus de 100 ans d'existence, qui veut sortir de sa Gironde originale. Et ce vin va gentiment partir direction le Nigeria l'année prochaine, en exclusivité. Donc c'est un projet ambitieux de ce jeune vigneron que de partir vers l'Afrique. Et je... Alors, évidemment, la question que nous avons sur toutes les lèvres, c'est comment s'appelle ce vigneron? Il s'appelle Robin Augier. Voilà. D'accord. Un jeune vigneron qui, à côté de ça, est un scientifique brillant. Il tutelle donc sa famille dans l'évolution de ce que ce vignoble va devenir. Mmh. C'est un jeune homme plein d'ambition et qui a surtout, je lui ai demandé encore tout à l'heure quelles étaient pour lui les qualités qu'il voulait mettre en avant dans son vin. Et la première chose qu'il m'a répondu, c'est le travail, la famille et la qualité. Alors, pour ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec vous, comment fait-on pour vous joindre, tout simplement? Vous avez une adresse mail, un site? Oui. Le site est en construction, puisque Primordia est une toute nouvelle société qui vient de naître. Hein, CIC était ma société précédente. Et j'ai décidé, puisque les projets à venir sont d'un tout nouvel ordre et que c'est un nouveau départ. J'ai eu la malchance d'avoir 2 ans de très grave maladie derrière et j'ai décidé d'orienter maintenant mes projets vers des choses différentes. D'accord. Alors, je voudrais, avant que l'on ne se sépare, aborder avec vous une question d'actualité. Vous avez tous suivi cette vidéo virale sur le quai de la gare d'Arscott, un jeune homme d'une quinzaine d'années, originaire d'Afrique, j'imagine, qui a été apparemment, je dirais, agressé, d'abord verbalement, puis physiquement, par 3 personnes. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je sais que vous luttez contre les discriminations, mais là, on a quand même touché le fond. Hein. Moi, enfin, la première chose qui m'est traversée l'esprit, c'est comment on en est arrivé là. C'est pas le fait d'avoir un gamin qui se fait violenter par deux jeunes femmes, et après par un monsieur qui pourrait être, enfin, son père. Mais c'est comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour ne pas en arriver là, carrément. C'est là où on rentre en compte le problème d'éducation, de conscientisation sociale. Parce que tout ça, c'est lié à des causes. Et bien, on ne peut pas parler de cette problématique si on ne parle pas des causes. Il y a eu des choses, il y a un passé lourd de colonisation. Tout est lié. Enfin, à travers CSC, l'organisme pour lequel je travaille pour le moment, on a une exposition en cours sur comment puis-je dire, la propagande. C'est la propagande coloniale, les messages, comment la société belge a été aussi victime d'un matraquage, un lavage de cerveau pour justifier ce qu'on faisait dans des colonies. Et ces enfants, ce sont des petits-enfants de pères, de grands-pères qui ont été aussi victimes de cette éducation. Moi, je me dis, il faut s'attaquer à la cause. Mais l'air est grave. Donc, si on ne l'a pas fait suffisamment, je pense que les politiques doivent être interpellées pour se dire qu'il y a un travail à faire. Tout à fait. Avant de vous céder la parole, Magali Le Courtais, je voudrais juste vous demander, Sybille, comment peut-on vous joindre à travers vos différentes structures? Vous avez une adresse mail, un site web? Alors, pour pouvoir, par rapport aux activités maintenant, oui, tout à fait. Il y a le www.meniamedia, c'est MENYA, puis espace-media.org. D'accord. On aura toutes les informations. D'accord, merci infiniment. Magali Le Courtais, par rapport à cet acte de violence, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis une maman de 4 enfants. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner des enfants de toutes couleurs depuis qu'ils étaient tout petits. Je ne comprends pas quand on voit la couleur de quelqu'un. Je ne le comprends pas. Donc, ça ne fait pas partie de mes compétences. Par contre, ce que je comprends, c'est que la haine et la bêtise peuvent prendre des chemins dangereux. Ce garçon est un petit ado tout sage. On le voit à un moment dans cette vidéo aller remettre ses papiers à sa maman ou à la personne qui l'accompagne. Je ne comprends pas le néerlandais, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il était assez mal que pour protéger une dame et une poussette, que du haut de ses 15 ans, ce jeune homme a affronté 3 adultes européens blancs, puisqu'il faut classifier les gens, et qu'il s'est retrouvé jeté sur des rails de train.
ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la folie. C'est de la folie. Il est bien dommage que l'histoire n'ait pas fait son chemin, mais la mémoire, eh bien, je crois, est sélective. On l'enjolive, on la colorise, on la colorie, chacun avec son impression. Où est-ce que ces gens se sont sentis menacés par ce petit garçon, je ne sais pas. Mais cet effet de meute autour de ce gamin, finalement, bah, c'est juste abject. Eh bien, c'est sur ces paroles fortes que nous allons mettre un terme à ce bel échange avec vous, mesdames, hein, Sibyl Tishahayo Kazuba. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Magali Le Courtès, merci infiniment. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour une 22e émission d'Horizon Intellectuel sur Almohatine. À très bientôt.